La réponse? Le Bureau des services à la jeunesse d'Ottawa, également connu sous le nom de BSG. Les apparences peuvent être trompeuses. Par exemple, l'homme d'affaires par là-bas semble riche, mais il souffre d'une maladie mentale. La fille à la droite rigole et semble joyeuse, mais elle a de la peine au fond d'elle. Oui, les apparences sont trompeuses. Des problèmes de santé mentale peuvent arriver à n'importe qui. Alors arrêtez la marque d'infamie. Avant qu'on puisse même découvrir des statistiques attristantes à propos des difficultés de santé mentale, nous devons nous poser la question. Qu'est-ce que c'est des problèmes de santé mentale? Oui, c'est vrai. Selon moi, la santé mentale est l'état de bien-être d'une personne, soit qu'elle est psychologique ou émotionnelle. Les gens qui ont de la difficulté avec leur santé mentale parfois ne peuvent pas surmonter leur stress quotidien, ni gérer des émotions difficiles. La maladie mentale est un problème pressant qui n'est pas assez pris au sérieux. Elle ne discrimine pas. Les difficultés de santé mentale affectent les gens de tous les âges, races, et ne portent aucun intérêt à leur niveau d'éducation ni leur revenu. Savais-tu qu'en ce moment, un Canadien sur quatre a une maladie mentale? Mais ce n'est pas seulement les adultes qui souffrent. En fait, 3,2 millions de jeunes en Canada présentent un risque de dépression. Avec l'école, les activités extrascolaires et la vie sociale, l'adolescence peut être un temps très stressant. Alors, comment peut-on résoudre ce problème immense? Il faut donner à ces adolescents quelqu'un avec lequel ils ont de la confiance. Ils ont besoin de quelqu'un à qui ils peuvent parler sans jugement, qui soit un être cher ou un volontaire qui travaille avec une association de prévention du suicide. Malheureusement, l'accès à ces services est perpétuellement négligé. 75% des jeunes avec des problèmes de santé mentale n'accèdent pas à ces services de traitement spécialisés. Tristement, le suicide est une des causes éminentes dans la mort des jeunes. Lorsqu'un sondage en la Colombie-Britannique qui a sondé 10 000 adolescents, plus que 15% d'étudiants ont, à un moment, sérieusement considéré le suicide. L'automutilation ou l'acte de se faire mal intentionnellement est aussi un problème que les adolescents doivent parfois subir. Qu'est-ce que c'est le BSG? C'est une place sécuritaire pour les adolescents à risque. Ils aident les sans-abri, les jeunes qui ont démêlé avec la justice et les adolescents qui ont des problèmes de santé mentale. De plus, ils ont deux lignes de crise. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis pour BSG.